Shalom, shalom, frères et sœurs. Je viens devant vous pour vous donner ce message qui est très urgent venant de la part de Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, prions rapidement pour que je vous donne la révélation que notre Dieu nous a tous donnée. Éternel des armées, Dieu de toute révélation, Dieu de vérité, mon âme te bénit, mon âme élève ta grandeur. Merci pour tout ce que tu nous montres, Seigneur, car sans toi, personne ne saurait comment faire et comment marcher. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous montres. C'est toi qui nous guides. À toi revient la gloire. Je prie pour que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant même, que tu fasses descendre la foudre de ton feu dévorant, Seigneur, pour détruire tout ce que tu n'as pas planté à nous, toute embûche dressée contre nous, tous les gardiens des ténèbres visibles et invisibles. Seigneur, c'est à toi la vengeance et la rétribution. Consume-les à l'instant avec la foudre de ton feu dévorant. Mets-les en déroute, précipite-les dans l'abîme des ténèbres. Seigneur, et inonde-nous dans ton sang. Prends contrôle de ton message, Seigneur, que tu vas dire à tes enfants. Que je sois effacé complètement et que toi tu surabondes. Viens parler car mon corps est ton temple. À toi revient la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la droiture, la justice. Au nom du Saint Jésus-Christ Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, voilà le message que l'Éternel m'a donné. Avant de vous remettre la révélation, je me regardais des émissions sur YouTube un jour et j'ai attendu la voix de l'Éternel qui m'a dit « Demande-moi avant de regarder chaque vidéo sur YouTube, demande-moi tout ce que tu regardes sur YouTube, demande-moi qui sont avant de les regarder, si je les approuve ou pas. » Alors quand j'avais eu la révélation qu'il m'avait donnée, à chaque fois que je veux regarder une vidéo, je lui demande, Seigneur, est-ce que cette personne vient de toi ou pas? Mais depuis que j'ai reçu ce message qu'il m'avait donné, j'ai peur de zapper les différentes vidéos pour les regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce mois de février, frères et sœurs, compte tenu de pas mal de tout ce que nous traversons et tout ce qui doit arriver, j'ai pris un temps de jeûne et de prière de 21 jours à l'eau. Et pendant que je priais, le jeudi 13 février 2020, à 2h de l'après-midi, j'avais tellement prié, j'étais fatigué. Donc, on dirait que je somnolais un peu. Et après, je me suis levé. Et qu'est-ce que je vois? Dieu me montre la main d'une personne, la main droite d'une personne. Et cette main-là était remplie de chevaliers, de bagues. Toute sa main était remplie de bijoux, tel que vous le voyez sur la photo. Donc j'ai dit, oh my God, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vous demande pardon. Avant de voir ça,
j'avais vu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu faisait des miracles, n'importe comment sur YouTube. Il guérissait les malades, il faisait plein de miracles. Alors j'avais demandé, je n'avais rien dit vis-à-vis, mais à l'intérieur de moi, j'avais posé la question à l'Éternel de savoir si cet homme-là venait de lui. Et comme je vous ai dit, je n'ose plus aller sur les YouTube, donc je lui avais posé la question à l'intérieur de moi et je me suis arrêté là, sans plus. Donc, le jeudi 13 février, à 2h de l'après-midi, je vois une révélation et dans la révélation, Dieu me montre la main droite d'un monsieur. Et la main était remplie de bijoux. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Dès que j'ai posé la question à l'Éternel, Dieu me dit, va lire Romains chapitre 11, verset 29, jusqu'à 31. Et je suis allé lire ça. La parole de l'Éternel dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, de prier sans cesse pour ces personnes-là. Parce que c'est vrai qu'ils font des miracles, de toutes sortes de miracles. Mais à cause de ce qu'ils ont, de tous ces bagues, tout ce qu'ils ont sur eux, Dieu n'est point là. Mais ils ont l'onction. L'approbation que Dieu leur avait donnée, l'onction, l'appel de Dieu sur eux. Mais à cause de ces différentes bagues, lui, Dieu n'est point là. Et Dieu me dit de dire à ses enfants de sortir de ces églises-là. N'importe quelle église, là où tu vas aller, si tu vois que Dieu dit que n'importe quelle église dans laquelle nous rentrerons, si l'homme de Dieu ne prêche pas la sainteté, la pureté, la repentance, vous comprenez? Dieu dit, n'importe quelle église que nous allons partir, si l'homme de Dieu ne prêche pas la repentance, la sanctification, la purification. Il faut que nous sortons de ces églises-là. Et Dieu continue de dire aux hommes de Dieu, mes frères, hommes de Dieu, à moi l'Éternel a dit de ne point critiquer les hommes de Dieu. Mais là, c'est un message très urgent. Donc je vais vous le donner, je ne vous critique pas. Parce qu'il a dit, tous ceux qui critiquent les hommes de Dieu, le critiquent, lui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je ne suis pas là pour vous critiquer. Il est la vérité, parce qu'il a dit lui-même. Dans Romains chapitre 45, verset 23, il a dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Il a dit, ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Il a dit que la vérité sort de sa bouche. Donc si Dieu m'a dit de ne point critiquer les hommes de Dieu, je ne suis pas là pour vous critiquer. Je ne suis même pas digne de vous enseigner. Mais j'ai été envoyé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu, le Créateur des cieux, de la terre et tout ce qui y trouve, celui qui tient nos souffles. Moi, je ne peux pas refuser à mon Dieu. S'il me dit de véhiculer un message, je ne peux pas refuser. C'est pour ça que je suis là. Alors Dieu dit, tout homme de Dieu, tous ceux qui veulent aller au paradis, il est temps qu'ils se dépouillent. Et toutes ces personnes-là
qui endurcissent les cœurs des âmes, de ces âmes. Ça ne va pas aller très bien pour eux. Il dit que tous ceux qui endurcissent les cœurs de ces âmes vont le croiser le dernier jour. Frères et sœurs, c'est très urgent. Dieu dit qu'il amène ce message-là pour vous tous. Quand il me parlait, j'ai essayé de raisonner un peu avec lui parce que je lui demandais, comme il a dit, d'éprouver les esprits. Je voulais savoir si cela était de lui. J'ai essayé de raisonner avec lui. Et il m'a posé des questions. Dieu m'a dit, tu vois de la manière dont tu pleures pour tes enfants. Quand tu vas leur imposer les mains et que tu chasses les esprits qui les fatiguent. Et après tes enfants, ne connaissant rien, ouvre encore des portes. Tu vois ce qui se passe dans leur vie? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, ben, pour moi, c'est grave. Parce que les enfants, ce sont des enfants, ce sont des bébés. Ils ne connaissent rien. C'est pourquoi je les ai délivrés moi-même. Mais ces hommes de Dieu, ce sont des adultes. Ils me regardent dans les yeux et ils mettent la main dans le plat de mon ennemi. Et ils mangent ensemble avec mon ennemi. Cela me fait très mal au cœur. Alors dis-leur que je n'ai point changé. Je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-leur ce message d'amour. S'ils veulent aller au paradis, qu'ils m'écoutent et qu'ils se dépouillent. Alléluia, merci Seigneur. Dieu a dit, je ne leur ai point créé pour qu'ils aillent en enfer. Là n'est point ma volonté, a dit l'Éternel. Je les ai créés pour leur bonheur. Alors celui qui veut aller au paradis, qu'il écoute. Dieu dit, dis-leur, qu'y a-t-il entre mon temple, entre Bélial, j'ai oublié le passage, mais c'est ce qu'il a dit. Vous êtes des hommes de Dieu, vous certainement vous connaissez. Il a dit, qu'y a-t-il entre son temple et Bélial? Et Dieu me dit, dis-leur, je lis Exode, chapitre 33, verset 1 jusqu'à 6. Je ne peux pas tout lire, donc je vous donne rapidement pour que vous lisez. Dieu a dit, donne-leur, Genèse, chapitre 35, verset 1 jusqu'à 5. L'Éternel des armées dit, donne-leur, Apocalypse, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 6. Et Dieu insiste encore, sortez tous de ces synagogues, là où il y a des hommes de Dieu qui ont les bagues, qui ont des chaînes, même que ce soit des bagues de mariage. Dieu dit qu'il est contre ça. Tous ceux qui ne veulent pas se dépouiller, tous ceux qui ne disent pas à leur, comment on les appelle, à leurs fidèles de se dépouiller, et les églises sont remplies de bijoux. Dieu dit de dire à tous vos fidèles que les femmes enlèvent leurs mèches, que les femmes enlèvent leurs pantalons, que les femmes enlèvent les bijoux, que les hommes enlèvent les bijoux, que les collants ne soient plus portés par les femmes. Les mini-jupes ne soient plus portées par les femmes. Et Dieu
encore rajustés. Tous ceux qui ne se dépouilleront pas n'auront pas leur nom écrit dans le royaume des cieux. Voilà ce que la vérité a dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous demande de continuer de prier, d'intercéder pour ces oints. S'il vous plaît, ne critiquons pas parce qu'il ne nous a pas dit de critiquer. Dieu a dit que les hommes de Dieu se dépouillent et que leurs églises, amen, là où se trouvent leurs fidèles, tous leurs fidèles se dépouillent. Voilà le message que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a donné. Créateur du ciel et de la terre, voici Seigneur, j'ai fait passer le message que tu m'as donné. Seigneur, que toute ta gloire, ta puissance te revienne pour tous tes bienfaits. Seigneur, ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Mais toi, délivre-nous tous, parce que je fais partie, Seigneur. Tu as dit de ne point se trouver juste à ses propres yeux. Et ce n'est pas parce que je me suis dépouillé que je ne pêche pas. Nous pêchons tous. C'est seule ta bonté, ta droiture, ta justice que tu exerces sur cette terre à cause de nous, que nous sommes tous en vie, Seigneur. Alors, Père, aie compassion de nous tous et fais ton... Alors, ce que j'oubliais, le Seigneur a dit que c'est la réponse de la prière que j'ai faite pour les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà ce que j'oubliais, frères et sœurs. Parce que si vous voyez les vidéos que j'ai mises sur YouTube, je ne cesse de prier pour les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a dit qu'il a entendu ma prière, que c'est la réponse de ma prière, des questions que je lui posais, pour qu'il nous vienne en aide, pour nous sauver, pour qu'il nous amène au paradis. Dieu dit que c'est la réponse de ma prière que je lui ai adressée. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends gloire, parce que tu es un Dieu de justice. Merci d'avoir écouté et merci pour la réponse que tu nous as donnée. Et toi, Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous tous pour que le jour J, tu puisses nous prendre. Parce que tu t'as dit que tu ne donnes pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Ton sang ne sera jamais en vain, Seigneur. Que toute ta gloire, tout ton honneur, toute ta puissance revienne pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Saint-Jésus de Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen.